après qu'Idan et Tessalit aient venu le tour de Tombouctou, où l'armée française s'apprête à plier bagage sur fond de tensions diplomatiques avec les autorités maliennes de transition. C'est dans cette même ville que l'ex-président François Hollande avait officiellement lancé en grande pompe le début de l'intervention militaire française sur le territoire malien. Rappelons que, dans un discours enflammé, l'actuel Premier ministre Choguel Maïga Kokala avait publiquement accusé les autorités françaises de soutenir les groupes terroristes dans la partie nord du pays. C'est dans ce contexte de tension diplomatique que le président Assimi Goïta a décidé de mettre un terme à l'intervention militaire française sur le sol malien. Cela fait plusieurs années maintenant que les populations africaines en général, et en particulier celles du Mali, demandent pacifiquement le départ des troupes militaires françaises sur leur sol et le retrait de la monnaie néocoloniale franc CFA. La présence militaire française sur le sol africain date de l'époque coloniale et est au cœur des questions brûlantes de l'actualité sur le continent africain. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, nous vous invitons à partager l'information et à vous abonner.